va? Moi, Dieu m'a sorti du coma deux fois. Dieu t'a sorti du coma deux fois. Oui, oui, en 2008. 2008, le micro n'entend rien. J'ai fait un coma, c'était à l'hôpital de La Fontaine. D'accord. Et quand j'étais là, j'ai eu quelqu'un comme qui m'a poussé dans un trou. D'accord. Un tunnel sans fin. Quand tu étais dans le coma. Et en même temps, il y a une autre main qui me tient. Je suis celui qui ressuscite des morts. Et je tiens la clé. C'est juste. Ça, c'était dans le coma. Waouh. Et puis, je dis, moi, je n'arrive pas à respirer. Il dit, mais regarde devant toi, je t'ai tracé trois colonnes. Dans le premier, regarde. Je dis, c'est écrit en grand, en lettres d'argent, en grand, respire. C'est moi qui donne le souffle de vie aux êtres vivants sur la terre. Je me suis réservé un reste dans le premier. Dans le deuxième, j'honore celui qui m'honore. Et dans le troisième, la troisième colonne, je sais celui qui me sait et non qui se sait, lui-même. Wow. Ouais, et puis il m'a dit, maintenant tu vas rentrer dans ce trou et pour ressortir avec ton mari et ton petit frère. Et mon petit frère, quand je suis sorti de l'hôpital après deux mois, je l'ai appelé, j'ai dit, il faut te faire baptiser, accepte le Seigneur. Wow. Voilà ce que j'ai vu à l'hôpital. Wow. Et quand je rentre dans le trou, j'ai pris la peine de tirer trois casiers. J'ai dit, il y a eu un corps dedans. J'ai dit, mais je suis dans une mort. Il dit, maintenant demande à ton mari de dire trois chiffres. Et je regarde à peine mon mari, il me dit 7, 6, 1. Je dis, mais le temps de dire, mais une grande eau s'est répandue dans le trou où on était. Mon mari a parlé, mais mon petit frère n'a pas parlé. 8 mois après, mon petit frère est mort. Il est venu dire, va se faire baptiser. Je dis, Adou, faut te faire baptiser. Pourquoi on retarde ton baptême? Passe-moi le pasteur. Je sais que dans la Bible, on baptise les gens. Après, on les enseigne. Mm-hmm. La parole de Dieu. Pour qu'on retarde ça, passe-moi le pasteur. Il m'a passé le pasteur, j'ai dit, je suis la grande sœur de Adou. Mm-hmm. C'est moi qui lui ai dit de se faire baptiser, mm-hmm. Il a accepté. Pourquoi vous, est-ce que vous ne le baptisez pas? Il dit, il n'y a pas de problème, c'est votre petit frère, ça dépend de lui. S'il accepte, je le baptise. Moi, j'étais tellement contente, j'ai dit à mon petit frère, je ne travaille pas en ce moment, j'ai 50 euros, je t'envoie les 50 euros pour payer une Bible. Et puis un matin, une semaine après, j'étais là, je l'ai appelé, j'ai dit, Adou, est-ce que tu as payé la Bible? Il dit, oui. J'ai dit, tu es sur quel passage de la Bible? Moi, j'ai ma Bible ici devant moi. Il faut dire, on va s'exhorter. Il était incapable de me dire. Mon mari dit, ton petit frère te ment. Tu sais qu'il joue avec toi. C'est parce que tu es dans l'histoire du Seigneur qu'il a accepté. Mm-hmm. Donc, je n'étais pas satisfaite. J'ai envoyé un prophète là-bas à Abidjan. J'ai dit, est-ce que tu peux recevoir mon frère? Pour un jeune au moins, mm-hmm. pour qu'il prenne le truc au sérieux. Mm-hmm. Le prophète l'a fait, mon petit frère, je ne s'est jamais présenté. Wow. 8 mois après, on annonce un soir, j'arrive sur mon répondeur, mm-hmm. j'entends sa copine qui dit, Amélie, il faut appeler ton petit frère, il est très malade. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il dit, il a mal au genou. Je dis, quoi, il ne peut pas marcher? Elle dit, non, il ne peut pas marcher. Il dit, passe-le-moi. Je le prends. J'ai dit, c'est vrai que tu ne peux pas marcher. Il dit, j'arrive pas à marcher. Mon mari était en vacances à Abidjan. J'ai dit, bon, je vais appeler mon mari. Il va venir te prendre en voiture pour te ramener à l'hôpital. Mm-hmm. Il est parti avec lui, c'était mercredi. Le jeudi, le monsieur a dit que le petit va bien. Que c'est une... Il a eu un truc au pied, une gangrène. Mm-hmm. Que si on ne découvre pas vite... On peut te couper le pied. Donc, il n'a qu'à rester. J'ai dit, on n'a qu'à l'hospitaliser, que c'est moi qui vais prendre son compte. Mm-hmm. J'ai tout fait. Le monsieur a dit, non, il peut rentrer à la maison. Le même jour, il est rentré. Il est mort à 18h. Et il n'était pas chrétien. Non, il n'a pas accepté parce que après j'ai envoyé le pasteur pour la mise en bière. Il me dit, pour un nouveau chrétien, on aurait vu le pasteur. C'est que ton petit frère ne s'est pas fait baptiser. J'ai dit, franchement, j'ai tout fait. Comme dans le songe, tu as vu dans le trou, il n'a pas y a que ton mari qui est sorti. Le trou, c'est l'enfer. Il n'a pas parlé. Voilà. Le trou, c'est l'enfer. Et en 2012 encore, ils sont revenus à la charge. Parce que quand le Satan, il tient, il ne veut pas lâcher. Il n'y a que Jésus pour le faire lâcher. La chose, moi, j'étais couchée dans la nuit avec mon mari. Je vois au pied de mon lit un lion. Je dis à mon mari, mais il y a un lion dans l'appartement. Il dit, dors là-bas, comment
Ça, tu as un lion. Toi, tu es en pleine ville, tu parles d'un lion. Tu te crois où? Et puis, je me lève pour aller faire pipi. Et puis, j'entends dans mon oreille le lion de la tribu de Juda. Je dis, Seigneur, donc c'est toi qui me gardes. Donc, oh, le Seigneur savait que j'allais retourner encore à l'hôpital. Cette fois-ci, je me suis retrouvée à l'hôpital d'Argenteuil où j'ai fait 2 mois de coma. 1 mois de coma et 2 mois, ils m'ont mis en coma artificiel. Wow. Parce qu'on m'avait, mis les sons, tout ça, pour la respiration. Et puis, je n'arrivais plus à manger, à me lever, tout ça. Je suis restée couchée pendant 8 mois. Le temps de me lever, je me suis levée en fauteuil roulant. Même, je suis étonnée que c'est le Seigneur qui a fait. Parce que je ne sais pas comment je me suis arrangée, où j'étais couchée. Les 8 mois, je voyais mon dos. Devant moi, il y a une amie au quartier qui venait me voir et je lui ai dit, regarde le dos qui est là-bas. Elle dit, mais comment toi tu es couchée ici? Et puis, tu me montres ton dos là-bas. Je ne vois pas. J'ai dit, en tout cas, moi, le dos que je vois là-bas, c'est mon dos. Oh, j'étais déjà sortie de ton corps. Waouh. Je regarde. Et puis, elle, je lui ai dit, en tout cas, moi, je sais que c'est mon dos. Elle dit, je ne crois pas. Ce n'est pas ton dos. Et puis, 8 mois après, je suis sortie de là. Je ne sais même pas comment. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Et là, jusque-là, je continue la kiné, l'orthophonie, parce que j'avais tout perdu. Et la voix, et manger, tout ça. On m'a mis une sonde dans le ventre, une sonde gastrique pour que je puisse prendre les médicaments et manger. On me donnait du lait comme un enfant. Et comment tu nous as connus ici, là? Là, je vous ai connus il y a longtemps, à une conférence de le pasteur... Ou chef d'entreprise? Ouais. Le pasteur, j'oublie le nom. Ok. Que Dieu soit béni. Ouais. Et puis, vous avez partagé des traités. Si Jésus revient bientôt. Ok. Donc, j'en ai parlé à la sœur. En 2008. En 2008. Église, où es-tu? Voilà. Et puis, j'en ai parlé à ma sœur, là. J'ai dit, il y a un monsieur qui vraiment prêche bien. Et il a donné les traités. Donc, elle est venue, elle m'a dit, elle ne suivait pas. Et puis, à un moment... Elle est partie maintenant à Laval. J'ai été la voir quand je suis sortie de l'hôpital. J'étais chez elle pour me reposer un peu. Et puis, je suis venue. J'ai pas dit, ah, maintenant, je suis Chora, hein, sur le net. J'ai dit, mais il faut chercher à le voir. Moi, je l'ai vu comme ça. Ils sont passés, c'est tout. Moi, je suis sur le net. Donc, elle a accepté aussi. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Maintenant, le Seigneur t'a restauré. Oui. Wow. Maintenant, je suis toujours la kiné et puis l'orthophonie. Ah, même l'orthophoniste, elle est étonnée. Elle dit, votre guérison révèle des miracles. Vous faites quoi? J'ai dit, je suis chrétienne. Elle dit, quelle religion? J'ai dit, je suis petit Christ. Donc, je ne peux pas t'expliquer ce que c'est que petit Christ. Je sais que j'ai la vie de Jésus en moi. Et ce Christ-là, il est vivant. Donc, je vis. C'est tout. Voilà, que Dieu soit béni. Vraiment, son témoignage est très puissant. C'est glorieux, hein, ce que le Seigneur fait. 2 fois, elle a fait le coma, et dans ce coma, justement, elle a vu le Seigneur, elle a vu l'enfer, parce que le trou, là, c'est l'enfer, et c'est terrible. Vous voyez, elle a vu comment son petit frère était resté dans le trou. L'eau est venue, l'eau, c'est la parole. L'eau a fait sortir cette sœur et son mari, et le petit frère n'a pas voulu. C'est pour cela, quand on vous dit, frère, donnez votre vie à Jésus. Recevez le baptême. N'hésitez pas. Oh non, je ne suis pas encore prêt. Ah bon? La mort, tu peux pas dire la mort, je ne suis pas encore prêt. Ah ah.